vlog aujourd'hui. Et on se trouve à un endroit très particulier. On est au Nevada, à Las Vegas. Parce que j'ai rejoint mon pote, que vous voyez juste ici, Ryan, qui fait le plein de sa moto et de la moto de son père. Enfin, je crois que son père a de l'essence. Moi, la mienne est juste ici et on va aller rouler, les gars, dans le désert du Nevada. Et ça, ça va être incroyable. Eux, ils font des courses dans le désert. Donc, le frère de Ryan, Ryan a roulé en Works, en GNCC, etc. Et son frère a roulé en tant que pilote privé, en supercross, en promotocross, donc championnat américain. Enfin, c'est un truc de ouf. Et ils sont trop sympas. C'est les gens que j'avais rencontrés quand j'étais venu dans l'Utah. Et donc, bah, on est parti. Je les rejoins. On est allé au concert d'Imagine Dragon hier. Je vous mets quelques petits extraits. Et aujourd'hui, on est parti. Je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, tu prendras mon essence. Il m'a dit, non, je veux pas. Du coup, il fait le plein sur sa moto et sur son pick-up. Parce que quand tu y penses, c'est vrai, t'as pas vraiment envie d'être en panne d'essence au milieu du désert. Ça, tu évites en général. Les gars, plus ça va, plus j'aime se payer. On va rouler. Je sais pas quoi, on fait un détour. On va aller manger McDo. Bah nickel. Et il est 10h54, parfait. Donc là, ce que vous voyez à gauche, c'est ce qu'on appelle le strip de Las Vegas, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, vous allez reconnaître. Donc il y a le Caesar Palace, on a le Bellagio juste à côté, le Cosmopolitan, enfin, il y a tout ce qui est connu. Voilà, Bellagio, vous pouvez voir. Et nous, on va à 1 heure au sud de Las Vegas, direction Los Angeles. J'en profite pour vous montrer. Donc là, on a In-N-Out, yes! Le meilleur fast-food des US. Incroyable. Hop, là vous avez l'hôtel New York, la T-Mobile Arena. Vous avez Excalibur et on a la pyramide de Luxor juste à gauche que vous allez voir. Hop, elle doit arriver, Mandalay Bay. Voilà, et là il y a Luxor. Avec le haut qui est allumé, il y a un laser qui monte une lumière. Et voici où j'étais hier pour le concert d'Imagine Dragons avec Ryan et son père et toute sa famille. Voilà. Nous sommes dans le désert, mesdames et messieurs. Alors par chance, il a plu avant-hier, il me semble. Donc tout a reverdi. C'est assez joli, je vous avoue. Regardez-moi ça. Il n'y a personne. Hein. Là, c'est vide, vide de chez vide. Rien du tout. C'est-il pas beau? Hello, on se retrouve dans le désert avec deux gars. Avec mon pote Ryan et son père, la famille Goodwin. C'est full chaos, hein, je vous annonce. Bon, par contre, je suis en train de bouffer la poussière. Hein. Regardez-moi ça. Les mecs, ils viennent avec des buggies de tous les côtés et tout. C'est incroyable. Incroyable. Le King Good! Ah, je suis refait mon gars. Ah, ça va être trop bien. Oh, c'est hyper meuble, c'est un truc de fou. C'est des... c'est des malades. Je comprends pourquoi ils ont des 4,5. Oh, en vrai c'est méga stylé. Incroyable les gars. C'est trop bizarre parce que c'est tellement meuble. J'ai pas du tout l'habitude. Ah, c'est incroyable. Ok, je revends, je vais m'acheter un 4,5. I wish I had a 6 gear.
That's super fun. Ouah, je kiffe sa mère. Damn, that's... Yeah. I'm used to that. It's fun though. Oh, c'est trop bizarre, je vous jure les gars. C'est un type de terrain que j'ai jamais roulé. C'est autant rocailleux que sablonneux en fait. Et je pense à un malheureux parce que je suis hyper comment on appelle ça, hyper hyper ah, je trouve plus mes mots. Hyper crispé. Ah, sur le guidon. Et du coup mais ça va venir. Allez, on se rappelle, serrer la moto avec les jambes. Oh, ça c'est beau. Ouais, il va falloir que lui il les connaît par cœur sans flure. Ouais, c'est le kiff ça. Bon, par contre j'ai mal au bras dans deux secondes. Wow, wow, wow. Regardez, là on est dans le désert, le seul truc qu'on voit, c'est ça là-bas. Wow. Est-ce que vous allez bien les gars? Est-ce que vous allez bien? Ouais. Ouais, chaud. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Mais dis, on va à une montagne où il y a une antenne. Une antenne réseau. Pas trop ma cam les descentes, mais... Ça t'encule. Ça te défonce la gueule. C'est vraiment super beau. Ça se voit qu'il gère les sauces en fleurs. C'est là que j'aimerais bien avoir un 4,5 avec une 6ème vitesse ou une couronne longue. Je connais pas la route. Allez mon Ryan, show me. Oh les bras. Ah, ça détruit les bras, je suis sûr. Oh, le filtre à air, hein, ça sera clairement poubelle. Ah. Les deux roues sont en glisse là. Ah,
Elle est là, ma tour. Ma tour d'opérateur. Wouh. Wouh. That's the place to be. Wow. Wouh. The view is crazy. Pretty cool, huh? Oh yeah. I like those trails. Mess with my arms. Allez, 60 heures la bécane. You want me to go down? Yeah. Because I'll go up from here. Yeah. Oh. C'est bon. Oh, c'est incroyable les gars. Par contre, j'ai tellement aucun référentiel. En mode, est-ce que ça va tourner? Est-ce que... Ah, je vois rien. Ryan. Par contre, c'est vrai que là, les suspensions cross, autant ça doit être bien quand ça doit être vraiment... vraiment cassant. On peut vraiment se faire surprendre par, ils appellent ça les washers. En gros, c'est là où passe l'eau, c'est les ravines. Voilà, c'est exactement le terme exact. Wow! Alors, je suis une bite en saut. Putain, on le voit pas, mais en fait, ça fait plein de petits. Du coup, je suis arrivé hyper confiant. Et puis ça fait. En cinquième. Vous avez vu comment ça fait dans tous les sens. Wow, imaginez en barra. Là ils sont à fond, mais genre à fond. Mais après, ils ont pas les mêmes motos que nous et puis c'est les pilotes pro quoi. Mais c'est un truc de fou de se dire que là, dans l'autre sens, voilà, là, imagine. Moi je le ferais ça mais pas avec ma moto genre. Trop peur de casser un truc. Parce qu'en soi là, le chemin il est plutôt... plat donc ça craint pas grand chose. Enfin, faut quand même faire gaffe mais... C'est méga stylé. Je vis mon rêve les gars, c'est un truc de... Vous voyez là, tout ce qu'il y a sur le côté, c'est genre hyper meuble. Vous avez vu quand je vais dedans, c'est un truc de ouf. Wow wow. Ah j'ai le vieux réflexe de sortir les pieds. Ouais, mais c'est hyper meuble. Ils ont l'habitude. Ils mettent des grands rafales mon pote. Des grands coups de gars. Oh c'est cool, regardez on est sur une espèce de grosse rivière quand il y a des inondations là, des orages. Par contre, oh, c'est vraiment stylé. J'ai vraiment peur parce que il m'a dit fais gaffe parce qu'il y a des grises énormes. Rigole, mais genre énormes, genre 1 mètre de profondeur. En mode Paris-Dakar, t'as vu. Oh oh oh. Ok. Oh, tu pourrais prévenir frérot là. Content d'avoir le sabot parce qu'on entend toutes les pierres qui viennent taper. Wow 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 wow.
fait t'as envie de passer au milieu où c'est plus ou moins propre. Sauf qu'en fait c'est du sable hyper mou. Et du coup bah moyen quoi. C'est dingue de te dire là tu peux aller où tu veux, personne te cassera les couilles. Genre littéralement ils peuvent rien en faire de ce terrain là pour le moment. Enfin rien en faire que la moto peut abîmer. Oula. Et gros caillou là. Là aussi un gros caillou. Wow, wow, les cailloux. Toi mon frérot. Quand tu sais pas, mieux vaut ralentir, je t'annonce. Putain, en fait c'est chaud. Putain, venant de quelqu'un qui a pas du tout l'habitude. Oh là j'ai tapé le caillou. De ça. Un gars qui a jamais fait de sable se retrouve dans le désert du Nevada. Oh, a roulé comme un marteau. Oh, est-ce que j'ai pris la bonne trace? Ouais, c'est bon. Wow. 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 That was fun. Sketchy, but fun. A lot of the kickers and breaking. Yeah, like, poof, poof, poof. Whoa, 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 come on. That's what makes the desert different from everything else. Oh, yeah. Damn. We're almost to the truck. We'll keep heading down this way. Ah! 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 Aïe, 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 aïe. Ah, celle-là, elle va piquer. Oh putain, ça nique le doigt. Ça doit arriver les gars, c'est pour rappeler qu'il faut pas faire le fou. Oh, je sais pas lequel j'ai tapé. Oh putain. En fait, ils ont des crochets au bout je pense. Parce que putain, quand j'ai voulu l'enlever. Oh la. Oh la. Oh la douleur que ça m'a fait. Oh là là les gars, je me suis enculé. Je vous jure, j'ai trop mal. J'ai l'impression que, vous savez, j'ai tapé tellement fort que mon ongle a sauté, alors que pas du tout. Wouh ! Maintenant qu'on est rentré, il va falloir faire 3 heures de route, laver la belle, changer le filtre à air, et puis on sera bon. Bon, fin de journée, c'était incroyable. Trop trop bien de découvrir le désert. Donc là, on est dans le Nevada. Vous avez vu, c'est très très poussiéreux encore une fois. Donc voilà, merci à Ryan, son père et tout. Trop trop bien.